Bonjour. On va jouer Long Long Ago. Dans ce morceau, la main gauche va jouer toujours trois notes de la même manière. Première mesure, j'ai ça. Do, sol, mi, sol, et je recommence. Ce sont ces trois notes. Mesure numéro 3, c'est quasiment la même chose, sauf que j'ai la pince qui vient, me décale. Donc j'aurai si, sol, ré, sol, si, sol, ré, sol. Ce sont les deux seules possibilités de la main gauche, ce qui va nous permettre d'aller très vite. En main droite, des nouvelles notes aiguës, on en parle à la suite de ce morceau. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça va très vite, mais pour l'apprendre, commencez lentement, dressez bien votre main gauche à cette figure. Ligne 3, c'est l'inverse, c'est d'abord avec la pince, puis sans la pince. Voilà, encore des nouvelles notes. Je vous montre ici tout ce qu'il est nécessaire de savoir dans un premier temps. Ça fait beaucoup, mais le clavier a tellement de notes. Forcément, l'écriture peut paraître un peu complexe. Pour les apprendre, comme d'habitude, lisez vos morceaux, ça viendra tout seul, mais pratiquez la lecture, c'est essentiel, surtout, surtout au piano. Vous trouverez la partition sur papypiano.com et à très bientôt!